l'actualité. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférées. Alors n'hésitez pas de liker, abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous les gars. Ruff clash le rappeur Jean Gabin et se moque de sa carrière suite à son dernier conflit avec la mafia Kinfry. Après son coup de gueule contre les célébrations des 20 ans, du clip pour ceux et le manque de soutien à son égard, Ruff continue de désinguer la mafia Kinfry. Ousné a décidé de s'en prendre aux membres du groupe parisien et particulièrement son ancien ami Kerry James après avoir découvert qu'il avait trahi à plusieurs reprises et Kamel l'ancien qui se fait allier avec les ennemis de Ruff comme Booba. Ça qui a poussé Ousni de dire sur Kamel l'ancien, il partage du Booba comme un enfant de 12 ans. Aujourd'hui, Ruff il a décidé de régler ses comptes avec Gabin, sachant qu'on connaît déjà que la situation est tendue entre eux depuis longtemps. Ousni il a dit sur sa story, Miskin ce vieux guignol n'a tellement aucune personnalité qu'il a dû voler l'identité et la façon de parler d'un acteur français décédé en 1976 à 56 ans. On peut dire que tu as vachement réussi ta vie, Little Charles. T'es juste un distributeur de flyers qui fait de la barre fixe toute la journée parce que t'es fauché au chômage avant la retraite. Redescends, vieux pointeur, va. Fais le voyou dans tes films foireux que personne n'a vu. Je viens de voir ton interview de clown par Allah. J'ai hurlé de rire, c'est plus fort que moi. Fais du stand-up, tu vas enfin percer. T'as récité par cœur ton scénario que t'improvises devant ta miroir depuis 2007. Tu t'en es toujours pas remis ton nahagar des gens. À plusieurs avec ton équipe, c'est connu. L'arroseur a rosé. Menteur, il était trois sur toi dans la voiture. Je t'ai rien fait, moi, la connaissance qu'on a en connu. Tu as sauvé du penalty final. Par contre, ton pote, c'est moi qui l'ai couché avec un jab du gauche. Il a volé, il s'est réveillé, il est couru. T'es que dalle pour moi, sache-le. Tes barres fixes vont pas t'aider. Et Greg MMA non plus. Il a dû rigoler sur tes esquives dans le vide. Et ta boxe rouillée. Une minute tu étais asphyxié, t'es en forme. Imagine-moi, tu parles trop pour un voyou. Respecte l'ancien. La seule fois qu'on a parlé ensemble, c'était de Label 2002, tu te souviens? Tu me donnais des conseils, t'adorais mon travail. Pour ça tu m'as pas clashé Zerma. Tout ça en présence de tandem. Tu m'as raconté une histoire cardo que t'as culbuté un travelot, sans le savoir au bois debout. Et quand tu t'en es rendu compte, en lui tripotant le kiki t'as continué. Parce que t'étais au chaud, ce sont tes mots. Tu t'es cru drôle le vioc, j'ai failli vomir, bref. Parle petit Charles, parle fait l'ancien des voyous. J'en connais de Paris à Marseille. Passe par Lyon de 17 à 77 ans. Toi t'es un clown qui fascine que les bobos. Parle petit Charles, va coacher des vieilles. Gigolo, va rassure-toi Al Capone des barres fixes. Fin. Qu'est-ce que vous pensez les amis? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous l'équipe.